Seigneur, regarde! Ne me fais pas de mal. Qui es-tu? Qui que tu sois, aie pitié. Tue-moi, mais ne me livre pas au maître. Je suis une esclave grecque. Fugitive. Mais alors, tu es l'esclave de Valérien. Pitié, ne me dénonce pas à lui. Valérien est un des Romains les plus riches et les plus répugnants que nous avons ici. Il est aussi cruel que dégoûtant. Approche, n'aie pas peur. Pourquoi t'es-tu enfui? Mon maître a acheté ma personne pour orner sa maison, pour que j'égaye ses heures par la lecture et pour que je les serve. Mais lui, il voulait avoir mon âme aussi. Comment sais-tu que tu as une âme? Je ne suis pas illettré, Seigneur. Butin de guerre dès mon plus jeune âge, mais pas plébéienne. Mon maître m'a frappé à mort parce que je l'ai repoussé. Ça fait 5 jours que je vis dans ces buissons. Il me cherche certainement. Aie pitié. Je te demande de me conduire à l'inconnu qui parle aux esclaves et qui parle de l'âme. Cet homme, l'inconnu que tu cherches, il est devant toi. Toi? Ô Dieu inconnu de l'Acropole, salut. Tu es grec? Oui. Comment t'appelle-t-on? Syntyka. Tu ne peux pas rester ici, mais moi je vais à Césarée. Ne me laisse pas, Seigneur. Je ne te laisse pas. Notre char est certainement à l'endroit convenu. Et attends, elle y sera en sécurité. Veux-tu venir avec nous? En vérité, je vous dis que tant que l'homme fort garde l'entrée de sa maison, tout ce qui s'y trouve est en sécurité. Mais s'il vient un homme plus fort que lui, ou s'il laisse l'entrée de sa maison sans la garder, alors le plus fort en vient à bout et le désarme. Le faible s'humilie et se rend. Et le plus fort le fait prisonnier et le dépouille. Mais si l'homme vit saintement la fidélité à la justice et à la loi, alors il vit en Dieu. Et moi, je suis avec lui. Et rien de mal ne peut lui arriver. L'union à Dieu est l'arme qu'aucun fort ne peut vaincre. L'union avec moi assure la victoire et la vie éternelle. Par conséquent, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne cultive pas ce que j'ai semé récoltera ce qu'a semé l'ennemi. Bienheureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Bienheureux plutôt, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Fais cela, ô femme. C'était pour moi une nécessité de penser qu'un jour j'enverrais ma mère et ma sœur. Mais même si le monde entier s'acharnait à nous séparer, un endroit, au-delà de la vie, nous aura réunis. Car je crois que la vie n'est pas seulement une matière qu'on enchaîne. Il existe une force libre qu'aucune chaîne ne tient captive. J'aurais pu être libre et heureuse selon le monde. Il m'aurait suffi de le vouloir. Mais je ne voulais pas troquer la sagesse contre le plaisir, car je voulais la vérité.
je me suis abandonnée à Dieu, qui est au-dessus de nous. Et je t'ai rencontrée, parce que mon âme m'a conduite à toi. Ton âme, c'est une âme païenne. Mais l'âme a toujours du divin. Tu te compares à Dieu, toi ? Non. Alors pourquoi dis-tu cela ? Comment ? C'est toi, disciple du maître, qui me le demande. Quand il parle, tu n'entends pas ? Ne dit-il pas toujours que nous sommes enfants de Dieu ? Tu te crois plus que moi ? Tu crois que tu as tout appris dans tes livres grecs ? Non. Mais les livres des sages, d'où qu'ils viennent, m'ont donné le minimum pour me conduire. Et je suis heureuse. Car je vois que sur moi veille une puissance que je ne fais que seconder. Parce que je me rendais compte qu'elle était bonne. Bonne ? Tu as été esclave et de maître cruel. Si Valérien t'avait reprise, par exemple, comment aurais-tu secondé ton destin ? Tu t'appelles Judas, n'est-ce pas ? Oui. Je voulais juste me souvenir de ton nom, en plus de ton ironie. Mais prends garde, car l'ironie est imprudente, même chez ceux qui sont vertueux. Écoute, j'ai vu que tu sais quelque chose et que tu n'as pas voulu parler en présence des autres. Mais maintenant, avec nous, tu peux parler. Nous sommes les aînés de la maison. Nous avons le droit et le devoir de tout savoir. Oui, c'est vrai. Je dois vous dire quelque chose de très important. Je dois seulement avoir la certitude que vous ne prononcerez pas mon nom devant Jésus. Jurez-le. Tu peux être sûr que l'on ne dira rien. Et vous vous tairez devant Marie, pour ne pas lui donner de douleur. Nous nous tairons avec tout le monde. Nous le jurons. Dis ce que tu as à dire. Jésus ne se limite plus à fréquenter les publicains, les païens et les courtisanes, à offenser les pharisiens et les autres grands. Mais il fait maintenant des choses vraiment absurdes. Imaginez-vous qu'il a pris parmi ses disciples une grecque, une esclave échappée de son maître romain. N'oubliez pas que je suis venu dans l'intention de sauver mon maître, Marie, vos frères, et votre réputation. Bien que cela paraisse de l'espionnage, mais je vous prie de me comprendre. Je sais des choses que vous aussi n'ignorez pas du reste. Il me paraît impossible que Jésus fasse des choses imprudentes et contre sa mission. Mais si ce brave jeune homme, qui pourtant aime Jésus, le dit... Notre maître se fait simplement du tort. Il vous appartient d'intervenir et d'en empêcher. Et puis, cet entêtement à chasser les démons... Tu devrais nous avertir. Bien entendu que je le ferai. Quand j'aurai vu quelque chose de nouveau, je vous en aviserai.
Pourquoi tu pleures, mère? Parce que le monde fourmille de pièges, autant que le ciel d'étoiles. Des pièges pour mon Jésus. Mais je suis réconfortée par l'amour des disciples. Aimez-le. Aimez-le tant, mon Jésus. Tu veux rester ici, Judas? Moi, je vais dans ma chambre. Oui, je reste. Ta paix soit avec toi, Judas. La paix soit avec toi, Marie. Maintenant, je voudrais savoir. Je te le dis. Demande et je te répondrai. Est-ce que tout est erreur dans la religion des dieux? Oui, femme. Il n'y a qu'un dieu qui ne provient pas d'autres dieux. Je le crois. Maintenant, je voudrais donner ce que j'ai reçu. Mais pour donner, je dois savoir. Permets-moi de savoir, et je te servirai au nom de l'amour. Toi qui as étudié notre peuple, tu as lu la Genèse, n'est-ce pas? La faute d'origine a dispersé l'humanité dans son orgueil. Mais les âmes se souviennent, il reste quelque chose en eux. Les âmes les plus sages et les plus vertueuses entrevoient une lumière dans les ténèbres. C'est la lumière de la vérité. As-tu compris? Maintenant, je vais réfléchir et me recueillir. Eh bien, allons chacun de notre côté nous recueillir. La paix à toi, Sintika. Cet homme qui vient de partir, c'est le galérien que tu as accepté. Oui, Joseph. Comment fais-tu pour le savoir? Maître, Nicodème et moi, nous demandions depuis quelques jours comment nous pouvions le savoir. Et comment peuvent malheureusement le savoir les autres du temple? Avant les tabernacles, certains pharisiens ont affirmé qu'il y avait un galérien et une païenne parmi tes disciples. C'est étrange. C'est très étrange, tu ne trouves pas? Oui, et non. Je pourvoirai pour Sintika et pour l'ancien Galéria. Tu feras bien surtout d'éloigner Jean d'Andorre. Il fait mal dans ta troupe. Joseph, es-tu peut-être devenu pharisien? Ah non, maître. Je pense au serpent qui nous a dénoncés. Mais où est-il donc, cet individu? Dites-le-moi tout de suite, que je puisse aller lui arracher la langue. Tu ferais bien de lui arracher les dents. Mais non, il vaut mieux l'étrangler. Ainsi, il ne fera plus jamais de mal. Ce sont des êtres qui peuvent toujours nuire. Et mentir.
Ne lui faites pas de mal. Ne laissons pas périr l'oiseau en s'occupant du serpent. Paix à toi, Lazare. Lazare, mon ami, je viens te demander conseil. Il faut que j'éloigne Jean d'Andorre et Sintika. La prudence, le conseil et aussi la charité. Pour l'un et pour l'autre, ce serait une épreuve dangereuse et une souffrance inutile de connaître les persécutions lancées contre eux. Qu'ils viennent dans ma maison ? Non, même pas ici. Ils seraient peut-être protégés matériellement, mais moralement, s'ils l'apprenaient, ils seraient humiliés. Peux-tu me conseiller où les envoyer pour qu'ils soient à la fois utiles et en sécurité ? Maître, moi ? Moi te conseiller ? Non, non. Parle, Lazare. Tu m'aimes bien. Tu ne me trahis pas. Moi, je te conseillerais de les envoyer là où j'ai des amis. À Chypre ou en Syrie. À Chypre, j'ai des amis sûrs. Et en Syrie, j'ai là-bas une petite maison dirigée par un intendant très fidèle. Tu m'enlèves un grand poids. Je te remercie, Lazare. Maître. Oui. Tu ferais bien d'éloigner Judas de Kériote. J'ai peur de lui. Il ne t'aime pas. C'est un sensuel et un avide, capable d'arriver à n'importe quel crime. Maître, c'est lui qui t'a dénoncé, disant à ceux du temple que tu avais parmi tes disciples un ancien galérien et une païenne grecque. Tu as des preuves ? Non. Alors, ne juge pas. Cette fois-ci, je n'ai pas tort. S'il te plaît, méfie-toi de Judas. Et la faute d'origine, elle, si j'ai bien compris, sera annulée pour tous ceux qui croiront en toi. Oui. Il y aura aussi les signes de ma rédemption appliqués aux âmes pour les absoudre et les fortifier. Alors, si une âme est absoute des péchés personnels, elle sera toujours en grâce? La faute d'origine sera effacée chez ceux qui croient en moi. Mais l'esprit conserve une tendance au péché que sans la faute originelle, il n'aurait pas eu. C'est pour cela qu'il faut surveiller continuellement son esprit, comme le fait une mère soucieuse pour son enfant. M'as-tu compris, Sintika ? Oui, monseigneur.
Il est tard. Prions tous ensemble. Et puis allons nous reposer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais, Jean, pourquoi tu pleures ? Il nous renvoie. Tu ne le sais pas encore ? Il nous envoie à Antioche. À Antioche ? Eh bien, n'a-t-il pas dit que là où deux sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux ? Allons, Jean. J'ai l'habitude de subir le sort que m'imposent les autres. Donc, je me soumets volontiers à ce nouveau destin. Tu ne te révoltes pas, Jean. Me révolter ? Jamais. Je dis, mon Notre Père, que ta volonté soit faite. Quand vous serez à Antioche, je vous conseille de vous servir des méthodes d'enseignement pour approcher le peuple. Toi qui es cultivée comme maître. Toi, femme, par des travaux féminins. Cela vous aidera à l'apostolat et à donner un but à vos journées. Ce sera fait, Seigneur. Comment irons-nous à Antioche ? Par la mer. Ô bon Jésus, pourquoi ne m'as-tu pas fait mourir ici ? Après l'épreuve de ma condamnation et après avoir fait l'effort de l'accepter. Fils chéri, mon fils préféré. Bénis-moi. Consacre-moi pour que je sois fortifié. Seigneur, Sauveur et Roi, ici, en présence de ta mère, je jure et je promets de suivre ta doctrine et de te servir jusqu'à mon dernier soupir. Consacre-le aussi, mon fils, pour qu'il te serve dans la sainteté et la paix.
Celle de Saint-Tica, maître ? Oui, c'est d'elle. Écoutez. Seigneur, je vois Antioche avec ses quais sur le fleuve, le palais du légat dans l'île, ses rues majestueuses, ses murs aux centaines de tours puissantes. Et si je me retourne, je vois le sommet du Sulpius qui me domine avec ses casernes et le second palais du légat. Mais elles ne me font pas peur. Je pense, et je te le dis, que cette force romaine sera la force chrétienne quand elle t'aura connu. Une Rome chrétienne voudra dire un christianisme universel. Quand cela arrivera-t-il ? Je ne sais pas, mais je pense que cela arrivera un jour. C'est pour cela que je regarde en souriant ces témoins de la puissance romaine, en pensant au jour où ils mettront leur force au service du roi des rois.